Quand on va même à la Côte d'Ivoire, il faut avoir une autorisation. Parce que c'est la dotation des coins habillés. Kokuba Alex de ICMI, représentant l'International Krav Maga Institute en Côte d'Ivoire. Nous venons d'assister au stage d'utilisation du bâton télescopique appelé communément SP21 ou BTP. Ce stage était ouvert à tous, aux forces de l'ordre et aux civils. Ce stage avait pour but de montrer aux stagiaires qu'est-ce que le bâton télescopique, comment utiliser le bâton télescopique, les différentes techniques et des clés qu'on peut appliquer avec le bâton télescopique. Les Ivoiriens sont formidables. Les Ivoiriens ont vraiment un niveau avancé au niveau du Krav Maga. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas eu de problème. Vous voyez les belles lames qui sont là, elles ont appliqué les techniques sans problème. Donc le stade était ouvert à tous, comme je viens de le dire. Le niveau était vraiment élevé. Étant représentant de l'International Krav Maga Institute, je demande à tous les stagiaires, à tous les sportifs, à tous les pratiquants de sport de combat de pratiquer le Krav Maga. Et que le Krav Maga est une discipline vraiment israélienne, qui permet aux personnes de se défendre sur tous les lieux et en tous lieux. Moi, je m'appelle Oulaye Amzio, Dimet Letson. Je suis instructeur international en kickboxing, expert en kickboxing. Mais ce que je peux dire du stage d'aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi oublier que je suis en même temps moi-même instructeur en Krav Maga. Les techniques à Ikemi, vraiment, il n'y a rien à dire. Le stage a été super. J'exhorte déjà tous mes concitoyens à pratiquer, n'est-ce pas, le Krav Maga, histoire de pouvoir mieux se défendre. Vraiment, il faut dire que c'est des techniques adéquates à la rue et adaptées à celle-ci. Mes impressions pour le stage, ça a été fabuleux. Yeah!